Quelle galère! Ça commence bien. Notre test est expiré. Donc on va se rendre à la clinique qui est ici à l'aéroport pour refaire un test en espérant qu'il n'y a pas beaucoup de monde. C'est parti, on y va? Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Now looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can miss out. Bon, premier vlog en France, comment ça va? Alors là, vous voyez que je suis équipée. Il est quelle heure? Il est 9h, 10h, 10h30, 11h, je sais même pas il est quelle heure. Alors là, je comprends pourquoi les mamans marocaines, si vous avez des mamans marocaines, je sais pas, algériennes aussi peut-être, ma mère, elle a plein de comment on appelle ça, des robes de chambre en velours. Et là, je comprends. Celle-ci, je la squatte. Franchement, depuis que je suis là, je la squatte. Franchement, ça tient bien au chaud. Bon, superbe introduction. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je suis là depuis quelques jours et je me suis dit, bon, allez, on va un petit peu vlogger parce que, étant donné que j'ai de la famille qui passe, j'ai envie de compiler, on va dire, des petits moments. Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire un petit vlog? Voilà. J'espère que vous allez bien. Ça, c'est du beurre de karité. J'ai passé commande chez. Comment il s'appelle déjà? Beauté privée. Beauté privée, je vous mettrai. Si vous allez en barre d'informations, vous avez un code promo, un code de parrainage. Si c'est la première fois que vous passez commande, j'ai passé commande, j'ai pris plein de choses naturelles. J'aime beaucoup prendre. J'ai pris plein de produits, essentiellement des produits naturels. J'aime beaucoup prendre. Vous voyez. Il y a plein de marques différentes, mais j'aime bien prendre des marques bio en général. Et c'est vrai que c'est vraiment pas cher du tout. Donc j'ai pris de l'eau de rose, de l'eau de fleur d'oranger, de l'eau de bleuet. J'ai ici du beurre de karité. J'ai plein de trucs. Et j'ai aussi acheté pas mal de cadeaux, puisque j'aime bien glisser voilà, des petits trucs comme ça dans les, quand j'offre des cadeaux. Bref, voilà, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, je reste en pyjama pour l'instant. Je reste en pyjama. Il va falloir que j'aille aider ma soeur. Haroun est en bas. Mes filles sont chez ma soeur. Elles sont en train de faire leurs devoirs là avec Ahmed. Ça a été compliqué un peu cette semaine dans le sens où elles étaient encore à l'école. Et donc du coup tous les matins 8h, 10h, ben, il fallait qu'elles soient devant Zoom. En plus de ça, je vous cache pas que le jet lag là, le décalage horaire, ça a été difficile. Donc du coup les premières nuits, on se réveillait, on allait dormir hyper tôt. Et on se réveillait en fait en... Il était 2h du matin, on n'arrivait pas à dormir. Là, ça va mieux, ça va mieux. Ce matin, on s'est réveillé, il était 8h du mat. Donc voilà. Et bah voilà, écoutez, j'espère que de votre côté, tout se passe bien. Du coup, c'est vrai que je n'ai pas fait beaucoup de stories. Je me mets pas la pression, en fait. J'ai juste envie de profiter. En sachant que le truc, c'est que moi, quand je viens chez ma mère, en fait, je fais un grand ménage et un état des lieux pour voir éventuellement ce dont elle a besoin. Donc du coup, c'est vrai que les premiers jours, je me suis installée.
J'ai récupéré ma chambre, en fait là je vais remonter au grenier et du coup c'est vrai que j'ai fait du tri et en même temps bah, je m'assure que je suis là, donc j'essaie vraiment de rendre service et de voir ce dont elle a besoin. Donc j'ai changé les rideaux, j'ai fait le grand ménage, vous savez, je sais pas pour vos mamans, en tout cas la mienne commence à être âgée, donc du coup c'est pas évident en fait de maintenir des grandes maisons. Donc du coup voilà, quand je suis là, je prends la relève, on va dire, et du coup j'en profite pour faire vraiment le grand ménage d'hiver. Pour le coup là c'était ménage d'hiver, mais qu'est-ce que ça fait plaisir de bouger et de ne pas suer. Ça c'est un truc de dingue, ça c'est le truc de dingue. Et hier aussi je me suis maquillée pour la première fois et je me suis dit oh là là, qu'est-ce que c'est. C'est agréable de se maquiller sans transpirer. Voilà, bah écoutez, on descend. Aujourd'hui, elles vont préparer un truc à manger. Donc, il y a ma tante d'Italie qui est là. Et elles sont là et elles vont préparer un plat marocain. Je crois que c'est marocain, mais c'est plutôt berbère. C'est quelque chose qui est un plat qu'ils ont l'habitude de manger à la montagne. Écoutez, je vous emmène avec moi, on va voir ce que c'est. On découvre ça ensemble. Allez, on y va. Donc, elles sont en train de faire beddez. Je sais pas ce que... Bon, pour le coup là c'est la marmite gigantesque, hein. Ouais, ça ressemble en fait à un genre de couscous. Donc on a plein de légumes, citrouille, carottes, des navets. Alors là c'est afres, je sais pas comment on dit afres en... C'est même en français. Les navets, c'est les feuilles de navets. On tweet of the day. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Est-ce qu'on voit quelque chose? Oui, est-ce qu'on voit? Oui, Ahmed. Ah si, il est lavé, il est dans la cuisine. Je l'ai rangé dans un des... Tu vois, dans les meubles hauts. Bon. Donc le pull ici... Mon pull ici vient de chez... Mon pull ici vient de chez Modanisa. Voilà, je vous ai fait quelques stories. Le pantalon, c'est un pantalon de la collection hiver de Love Bonito. C'est une marque singapourienne. Bon, je suis toujours en pantoufle hein, pour l'instant. Et alors, mon foulard, il vient de chez Adelina Anis. C'est un foulard triangle en fait que je noue. Voilà, bon allez, on descend. Let's go. Ok, voilà. Donc, je vais juste terminer ça. Il faut que je termine ce plan. Sitting plane. Et ensuite je vais chez ma soeur et il faut que je termine les devoirs avec les filles, je dois envoyer tout ça à la prof. Vivement les vacances scolaires.